Écoutez, on vous a pris en flagrant délit. Donc le mieux, ce serait de reconnaître les faits. On n'a rien fait, je vous le jure. On passait là par hasard. Bon, déjà de un, tu enlèves ta casquette, s'il te plaît. Donc je reprends, par hasard. Ouais, par hasard. On se baladait, on a vu cet endroit, c'était ouvert, on est rentré, voilà. Et vous, mademoiselle Bah moi, je venais voir un pote, mais il n'était pas chez lui. Et le nom du pote, c'est quoi? Jean-Luc, mais je connais pas son nom de famille, ça fait pas longtemps que je le connais. Ok, donc les fausses plaques, le matériel pour maquiller les bagnoles, c'est pas vous, bien sûr. Bien sûr que non, madame. On n'est pas des voleurs, je vous le jure. Ouais, et vous croyez que je vais avaler ça, hein? On veut un avocat. Ça, c'est pour les séries télé, hein. Faut oublier. Donc, je résume. Vous niez en bloc? Absolument. On n'a rien fait, on est innocent. Et vous? Je venais voir un ami, je vous l'ai dit. Bon, bah ok, vous me laissez pas le choix. Donc je vous garde pour la nuit en garde à vue. Désolée. Bon. Non, mais non, 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 en fait. Non, non, mais ça va vous faire réfléchir et on se reparle demain matin. Non, mais en fait, c'est pas possible parce qu'en fait, on n'a rien fait. Valse! On les garde pour la nuit en cellule. Ok. Allez, levez-vous et venez. Non, mais c'est une injustice, monsieur. Allez, 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 on se bouge là. Allez. Tu fais quoi ce soir? Ce soir, je dîne avec mon nouveau chéri. Désolée. Ok.